ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله pour continuer nos explications au Roussal. Nous terminons en ce qui concerne quand Roussal est obligatoire, quand les sunnah pour faire Roussal, comment faire Roussal et Masail. C'était ma question en ce qui concerne une façon de faire Roussal. Et là, nous verrons dans la dernière explication d'un chapitre de Roussal, c'est qui va la ibadat, qui Roussal, c'est une condition pour sa ibadat là. Alors, premièrement, il y a salat. Salat, c'est sa même première ibadat de l'in Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'il y a des gens qui ont accepté le tawhid, première ibadat qu'il a fait, c'est salat. Et sa ibadat là, pas pour capable d'accomplir, excepté si un démon les fait faire au sal. Il y a si un démon est dans l'état de Janaba, ou bien un madame de Spain Hay, il fait au sal, alors là, salat, pas capable de faire. Faudrait un démon qui est dans le sal, là, il est capable de faire salat. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وبنت بن عمين إيمان نباقش صلاة كذلك دالتا دي سوليزون زيسكا كيزت كوني كيزت بيكوزي نباقش صلاة quand je suis dans l'état de Janaba, jusqu'à ce que je fais un roussal, excepté si je suis dans voyage. Donc dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut empêcher un musulman pour qu'il approche Salah dans l'état. Un premier quand il est dans l'état de soulaison. Et ça c'est au commencement de l'islam. Au commencement de l'islam, la boisson qui Pachanko bin Haram. Pachanko bin Haram. Mais je vais coster avec haram un step qui khamr fin traverse par ça avant qu'il devienne haram, c'est qui dit tu permets de boire excepté qui dans l'état de soulaison parce qu'il va faire salat. Et en vérité, ça ayat là, même qui les bécos concernant à l'époque quand khamr qui permissible jusqu'à aujourd'hui, mais dit après que Khamr devient haram, si toutefois un djimon il boit dans l'état de soulaison, il n'est pas pour qu'il ait droit à faire, il n'est pas pour qu'il ait droit à faire salat, parce qu'Allah Ta'ala veut dire Hatta ta'lamu ma taqulun, jusqu'à qu'ils ont connu, qu'ils ont fait causer. Mais dit un djimon, Khamr chi halal, pas chi halal, il est haram ou bien il est haram, Khamr est Khamr. Mais dit un djimon, quand il boit, quand il soule, quand il soule, il n'est pas connu qu'il est. Qu'il cause. Je dis, on n'est pas capable de faire salat, il n'est pas connu qu'il peut causer. Et ça, ayat là, par la base, on l'a vous dire. Je ne sais pas, ça, d'abas à la talaq. Si un djimon, il donne ce madame talaq dans l'état de soulaison. Je dis, il boit, il saoule, il rentre la case, il commence à ouvrir, il commence à mettre la page. Je dis, ce madame, vous pouvez donner talaq. Est-ce que ça talaq là, il compte? Est-ce que ça t'a la peine de compter? Et là, ça va dire, il compte parce qu'il y a un taux, il bat, il y a un droit qui dit. Il bat, il y a un droit à boire. Il bat, il y a un droit à boire. Quand il boit, il est dans l'état de soulaison, il est sur Madame Talak, il y a un taux, à cause qu'il y a un taux, il y a la peine de compter. Mais c'est quand nous avons dit, ah, bien, Allah Ta'ala veut dire, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Je n'ai pas gagné un droit, coster avec cela. Pendant qu'ils sont dans l'état de soulaison, jusqu'à qu'ils se connaissent, qu'ils se paient, je peux dire, ça prouve qu'un djimoun, quand il est dans l'état de soulaison, il n'est pas connu qu'il dit, qu'il dit. Un djimoun, dans l'état de soulaison, il n'est pas connu qu'il dit. Alors,
اليانتو لي بانتو سا سي دان كيت سوز سا سي دان ان كيت سوز الى لي بوغا بي سي بو سا كي دي موما كي لينفيني سو دي لو موما كي لينفيني غدا ليتا دي سو لي زون على لاكس كي لي بوغا سي لا بوناز لي جا سو مادام او بيدو تاتارا او بيدو سا لي باسانس لي باسانس نان يي بيديا دي مو دي ليتا دي سو لي زون سي لا بيدو سو مادام تالا تالا فالي با لي با كونتي Et même affaire, par exemple, si un Michel P. donne sur Madame Talak, basant l'autre fausse nouvelle, il donne sur Madame Talak, Talak là par contre. Par exemple, si un démon, l'invini, l'indi, elle me dit à la personne de Madame, elle dit à moi, on a telle information, les bébés délirés. Alors, Michel Ali, en tant qu'un homme, les six réagir à ce moment-là, il n'est pas là à vérifier, il n'est pas là à dire non, il n'est pas là à donner des raisons. Les six réagir à ce moment-là, on peut dire toi, Talak, sautis là. En fait, sautis là, il n'est pas grave parce que quelqu'un de Talak n'est pas supposé tirer en Léo. On dit la case, mais quand même, on est dans le contexte pour Richard, un Michel Ali, c'est une fausse information là, sur madame. Il rentre la case, il dit sur madame, il déclare aussi, et madame, vous pouvez le dire que t'as là, sorti d'âme. Je vais arriver les pieds devant, pour la côte, on finit, Après des mois, trois mois, alors, pas qu'il y ait encore aussi, là, si tu causes, tu peux expliquer pour vous clair aussi. Après des mois, trois mois, Michel elle trouve que sa information là, une fausse information. Information ça. Alors là dans sa cas là, un djibun comme un pas est capable de talak c'est trois fois talak c'est trois sens qu'elle a talak fin de nous. Et beaucoup de monde pose question, mon dieu talak fini là ou bien besoin de troisième, bon, on vit fini avec un madame ou de lui comme un talak, un seul. Ça, c'est des règles que beaucoup de gens ne pas faire concernant Talak. Quand cause Talak, on va dire pour finir, quand madame, je disais, je n'ai pas Talak. Non. Pour finir, nous donner c'est Talak. Et Talak, il finit, quand on donne Talak, il finit compter. Sa deuxième Talak, là, c'est Allah. Talak va donner un deuxième sens. Premier, là, quand on donne, si vous trouvez capable de refaire l'avenir, on ramasse, il est réconcilié. Un deuxième sens, un troisième sens. Alors, ça, il y a pour autant pour comprendre concernant Talak. Trois talaks, ce n'est pas deux ou trois talaks. Trois talaks, c'est à l'aide de nous trois croissants. Alors, ça, Michel, là, fait comme à dire, il dit déjà de nous, madame, des talaks, comme les autres problèmes, c'est pas qu'il là, quand il y a sa fausse nouvelle, là, les minimes de nous, madame, troisième talak, madame, elle sur la carte, ensuite, il me connaît qui une fausse nouvelle, une convient une fausse nouvelle qui est arrivée. Est-ce qu'il y a ramassé ça, madame, là? Qu'à réconcilier ou à quoi pas? Hein? Qu'à ramasser? Et dire, parce que, il y a un est-ce qu'il vous a fait un Icar ou il y a l'autre? Non. Mais il considère comme si, pas fini même talak là. Il considère comme si, pas fini même talak là, parce que ça talak là est une base d'une fausse information. Une fausse information, alors ça talak là, il va compter, mais dire, en deux mots, nous dire, si ça Michel la partie gagne sa fausse information, là, si tu me donnes là. Tu me donnes quand il me donne Talak, bah, la fausse information, Talak là, il est tombé, il est payé, non? Fais comment dire, ça vient de Talak. Fais comment dire, ça vient de Talak, c'est pour la première fois qu'il vient de Talak. Encore combien de sens t'es là? Hein? Il y en a trois. Ça, elle n'a pas le compte, hein, ça. Pas il n'est pas le compte, mais la première fois qu'il est arrivé dans ce madame Talak, dans sa fausse information là, ensuite il est réconcilié, il y a encore une, trois sens, parce que ça première là, il n'est pas le compte. Et Allah Ta'ala avait dit, voilà, je ne peux pas dire, il est habillé, il est habillé, il est habillé, il n'est pas gagné droit à post-salat dans l'état de Janaba jusqu'à qu'il y ait, excepté s'il est en voyage, alors quand il est en voyage, il est habillé, quand il est dans l'état de Janaba, même qu'il n'est pas béni, il est capable de faire salat à travers qui Tayammum. À travers Tayammum. Alors, cette ayat-là, il y a une ayat-là pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala
في ديكري دي حرام pour qu'elle dise mon divin salat dans l'état de janaba رسول الله صلى الله عليه وسلم تيا لا تقبل صلاة بغير طهور صلاة sans tahara n'a pas compté. Le prophète dit à madame il aqbalat al hayd wa da'a al salat. Le prophète dit à madame quand on arrive à tu fais le hayd arrête faire salat, arrête faire salat. Et elle madame qu'elle ne fait le hayd. Mais il n'est plus la roussal, quand il n'est plus la roussal, il n'a pas le droit de faire salade. Et ça, il y a pour autant, pour une jeune fille, je dis à quelle maman connaît, ce petit fille, la première fois qu'il a super le haït, il y a pour autant fait comprendre qu'il peine à la honte là-dedans et qu'il n'a pas le droit de faire rôle, faire salade. Il n'a pas le droit de faire rôle, faire salade. Je dis pourquoi une fille qui a monté et faire salade. Il n'y a pas gagné droit parce que cela c'est un ibadat. Il n'y a pas gagné droit faire salat dans l'état qu'il part, il n'y a pas faire salat. Salat est une seule condition. Tahara c'est une condition mise à respecter. Donc, ça c'est la première explication par jour. La deuxième explication c'est déjà un ibadat qui nous mise à roussal ou ça c'est tawaf. C'est Tawaf Kaaba, un djimoun n'est pas capable de faire tawaf et qu'il est dans l'état de Janaba ou bien une madame de Superge, un djimoun n'est pas capable de faire salat, n'est pas capable de faire tawaf sans qu'il y ait un roussal. Aïcha radiallahu anha dit قدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. Aïcha, radiallahu anha, dit-il, comme une ville Makka, il vit ensemble avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour vivre Hajj. Il dit, quand on arrive Makka, moi j'ai l'envers le Hajj. Quand on arrive Makka, moi j'ai l'envers le Hajj, moi pas de faire ni tawaf, Kaaba, ni Safa, Marwa. Ni tawaf, ni Safa, Marwa. Fashakawtu dhalika ila Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha fait une course avec le prophète. Il rentre dans l'état Ihram pour qu'il vienne faire Hajj. Quand il rentre Makka, l'Ida se perd le Hajj. Alors là, il n'y a pas qu'à faire Tawaf, il n'y a pas qu'à faire Safa Marwa. Une course avec le prophète. Le prophète dit il faut comme il fait le Hajj, غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. Le prophète dit fais tout un rite qui man Hajj fait, excepté pour faire Tawaf. Fais tout ban rite qui haji fait, excepté par vous avez tawaf. Aïcha radi Allah, on a pas le connaît. C'est quand il rentre Makka, et si il y a super haïf, il y a super haïf ban terminé avant Yom Tawiya. Et déjà, nous avons quand on a fait haïf, nous avons dit Ihram qui dit Umra. Quand nous finissons par Umra, nous avons dit Ihram pour. Alors Aïcha radi Allah anha soukak wa jidi quand il rade l'état ihram pour Umra, il n'y a pas de récien sorti l'état ihram pour Umra, il rade direct, il continue ça par l'état ihram de Hajj. Alors le prophète j'ai dit tu sais que Hajj peut bien, pas besoin de faire tawaf. Et dire, un madame qui est super haïd, il arrive à Zouhaj, il fait tout ce qu'il va de Hajj peut faire, avec dire Mina, Muzdalifa, Arafat. Et Aïcha Sévèque, fait Kourbani, Bajamarat, il devait tout ce qu'il n'a pas fait, excepté qu'il n'a pas fait, Tawaf. En basant sur ce hadith là, nous comprenons qu'une madame de Superhead n'a pas gagné droit à faire Tawaf, un dimoun sans roussal n'a pas gagné droit à faire Tawaf. Dans le livre, il pouvait dire Faqdi ma yaqdi al-hajj, ghayr an la tatoufi bil-bayt, hatta taghtassili. Fais tout ce qui va le hajj faire, mais tu n'as pas fait tawaf, jusqu'à ce que tu te baignes. Jusqu'à ce que tu te baignes, mais tu peux le hajj, fin terminé. Rapport du Jabir ibn Abdillah, il dit كانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. جابر بن عبد الله جاء لتشفين في حاج عائشة تشفين في حاج أصلا سمعنا لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أنسل حاج كلين فيه
Aïcha qui est ensemble, Jabir ibn Abdillah qui est ensemble, avec Jabir ibn Abdillah, il me rapporte ce qui vient d'arriver. Il dit, quand Aïcha vient rentrer, Makkah, il ne peut pas faire tawaf parce qu'il est dans le pays de Hayr. Il dit à le prophète, il ordonne, faire tout ce qui est hajj vert, excepté pas faire tawaf et pas faire salat, jusqu'à qu'il devienne pauvre. Pas faire tawaf, pas faire salat, jusqu'à qu'il devienne pauvre. Donc, ça, c'est déjà l'explication de dire. Un jumeau pour qui lui faire salat, il vient à Roussal, pour qui lui faire tawaf, il vient à Roussal, sans Roussal, il vient à salat, sans Roussal, il à tawaf. Est-ce qu'il est capable de rendre à Haram? La masjid, nous pouvons venir, nous pouvons venir, ça n'est question. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Nous pouvons venir, nous pouvons venir, nous pouvons venir, nous pouvons venir, nous pouvons premier, nous disons, Salat il va vous capable, tawaf il va vous capable. L'autre masala c'est dhikr. Est-ce qu'elle, madame, par le spécial haïd, il y a un droit à faire dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah rabbar, un djimou n'y peine à roussal, il n'y peine à roussal, il n'y peine à roussal. Est-ce qu'il y a un droit à dire bismillah, ou bien il n'y pas gagne un droit? D'après un hadith, on trouve que roussal n'est pas une condition pour faire dhikr. Roussal n'est pas une condition pour faire dhikr. Même quand tu veux venir à Roussal, il n'y a pas de faire dhikr. Même quand tu veux venir à Roussal, il n'y a pas de faire dhikr. Et madame qui est super haïr, il n'y a pas de faire souvent adhkar. Aïcha radiallahu anha alayhiya. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais dire Allah dans toutes conditions. Dans toutes conditions, dans tout moment. Alors, sa parole-là, pour Aïcha radiallahu anha, il me prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tenant n'aigné qui s'y peut empêcher de dire. C'est-à-dire, dans toutes conditions, dans toutes circonstances, les naroussal, les naroussal, les naroussal, il se fait faire dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il se fait faire dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre hadith, c'est Umm Atiyya, radiyallahu anha, elle dit, « Kunna nu'mar an nakhruj yawm al-aïn, hatta nukhruj al-bikra min khidriha, hatta nukhruj al-huyya, fayakunna khalf al-nas, fayukabbirna bitakbirihim, wa yad'uuna bidu'aihim, yarjuuna barakata dhalika al-yawm, tukhrajahu. » Aïcha dit, le prophète, tu peux ordonner pour qu'il va madame sortir pour une faire namaz, pour une faire namaz id, jusqu'à qu'une jeune fille qui est encore dans son assain, madame, il n'est pas satisfait qu'il sortit au chemin là, lui aussi, le prophète, il dit, sortir pour une faire namaz, Alors, ce hadith là, il prouve qu'il, premièrement, Namaz Eid, c'est un salat qui nous sortit. C'est un salat qui nous sortit, veut dire nous faire en plein air. Ça dit, les sunnah pour salat Eid. Veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais nous faire salat Eid dans masjid. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faire salat Eid dans masjid. Tout le temps, nous faire en plein air. Ça c'est sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai même qui nous masjid, il est grand, il n'est pas grand, il est joli, il n'est pas joli, il n'est pas neuf. Nous payons la pouvoir de tout ça là, mais il est fait salat id en déo. Quand nous réfléchissons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Madina, ce masjid, quand nous faisons salat, combien il commence au même? 1000. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte ce masjid là-bas, oui, il a fait salat en déo. C'est pas bien, j'ai au masjid là, il n'a plus valé qui masjid là-bas, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ben, dis-moi, comment nous t'expliquer, on te dit, là, dis-moi, c'est une maladie, l'opposition. Il y a une maladie, l'opposition, il y a bien l'Aïd passé ou bien l'Aïd d'avant. Une personne, il y a une fanflette, ça compte, l'Aïd, le Wabélé, fait un namaz en plein air. Et il y a en arabe, nous pas dire Idga. En arabe, nous pas dire Idga. En arabe, nous dire comment? Moussalla. Je dis, Moussalla. Un cas de n'importe, il posait là-dedans, il y a Moussallah, ça c'était un masjid dans l'époque du prophète, ça. Moussallah, là, c'était un masjid dans l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il y a des choses mentir, il causait qui les amitiés existent. Alors, il y a un bon temps qu'on est, qui n'a pas ri de
Sundan Valley en Léo. Et déjà, on a donc été les pauvres me mettent là en face, mais oh, deux balles madame, vous venez pas deux balles madame, mais une jeune fille, elle ne comprend pas ça qui était dans l'époque Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, madame, je vais rester ici. Je vais rester dans la case. Surtout, man, une jeune fille, surtout, man, pour qu'il soit moi, tu y avais déjà. Les prophètes numéro 2, madame, ils sont aussi, même pas une jeune fille qui est dans la case. Qui vient de nous dire, même pas une jeune fille dans la case, qui vient? Parce que normalement, ça va une jeune fille, là, pour rester. Parce que dans la case, on va sortir. Alors, quand on est dans le jour, on va aller à Moussalman, que nous vivons tout en bas là-haut, tu vis qu'il y a un portable, puis qu'il y a une facilité à Internet, puis elle prend les sons, puis rentre la case, pas qu'il est, l'autre. Alors, définitivement, quand nous prenons un semaine de travail, nous pas expect que Koumadien nous pourrait récolter ce qui droit. Alors, une des raisons qui fait pour Salman, musulmans de nos pays, de le monde en entier, veut dire, nous en bas là-haut, c'est sa liberté qui nous donne ban ses filles, et ensuite, sa même ban ses filles-là, veut dire, c'est comme si nous-mêmes qui nous venions dire dedans, dans errer, dans capable, l'islam qui enseigne nous, et dire, nous préserve, nous bâtifie contre fitna. Fitna en vérité, malgré, hein. Parce que jeunes garçons, jeunes filles, ils ont moyé aussi tombé dans fitna. Madame moyé aussi tombé dans fitna. Surtout dans l'époque qui nous vivons, nous pétendons comment ils ont moyé, madame moyé, puis fanny à travers portable, à travers internet. Ou de notifier laptop pour venir notifier portable qui fait les téléphones pour les leçons ou bien ce paquet. Finalement, les tombes, veut dire, ou même on ouvre la porte fitna pour lui qui utilisait Gordy loin de ça. Alors, quand on voit, il y avait même ma jeune fille, veut dire ma jeune fille, normalement, se place dans la case, pas dans la place où il y a le point des sons, et là, il y a des gens qui envoient des enfants pour prendre les sons et qui finalement c'est dans la place même qui se gâte. Et la petite chose que vous m'avez à dire, même madame qui ne se paye le haïl, elle dit à Masaïd, le prophète dit à madame Soti, madame, dit à madame jeune fille Soti, normalement je ne pas Soti, dit à madame qui ne se paye le haïl ici Soti, madame qui ne se paye le haïl, je ne vais pas faire son âge, mais malgré ça, elle met l'enfance qui était. Sorti. Et ça, c'est pour lui. Le prophète, il met de l'emphase, il l'a donné. Tandis qu'il pour salat, normal et pour Jum'a. Est-ce que le prophète, il l'a donné, mais il est découragé? Le prophète, il est découragé. Et déjà, c'est madame qui a encore bien fait la masse. Dans la zine, le prophète, il m'a dit, mais il y a fait dit. La case. Elle dit, madame qui a encore bien fait Jum'a, mais il y a fait dit. Mais il y a fait Zohar ou la case. Ça, c'est meilleur. S'il est revenu, il est permissible. S'il est revenu, il est protégé de la fitna, il est permissible. Tandis qu'il n'a pas Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettre l'emphase, vient faire la masse Eid. Et en réalité, quand nous réfléchissons, et même certaines sagesse là, ce qu'il fait parce qu'il n'a pas Eid, il n'est pas juste un namaz, mais il y a aussi qu'il y a une fête, une fête dans l'islam, fête, il n'est pas juste pour un homme, fête, il y a aussi pour une madame. Alors, une madame, c'est juste dans la, reste dans la case, pour dire, je ne pas gagner ça. Je n'ai pas de ressenti, comme je disais, tandis que je suis levé dans ma terre, je suis dans la masserie, je n'écoute trop de baril, je ne suis pas de frère, soeur, je suis pas de soeur, je suis pas de frère, effectivement, je n'ai pas de frère, soeur, je suis dans la masserie, il ne connaît pas correct. Alors, je vais sentir, je vais faire. Alors, les prophètes, comme Atiya, radiallahu anha, déjà, il y a qu'un khalf al-nas. Ben madame qui a eu le haïl, je ne dresse pas les yamad, je vais faire le salat. Fayukabdilna bitakbirim, wayadu'una bidu'aim. Ensemble avec Benjimoun, je vais faire le salat, je vais faire le takbir. Ensemble avec Benjimoun, je vais faire le dua. Et j'ai zou'il, aussi longtemps l'imam n'est pas venu. Benjimoun qui finira en tabou salat, je vais faire le takbir. أعوذ بالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إذا سال السنة في أعود فوا يوم الدين يتلعون إذا دي تروا بلاس كنتم في نماز عيد وطروا أن دي جمون بفي التكبير أعود فوا سأوسسوا أعود فوا لك وبدأنا ما جيدا سبحان إكي يوم بيريتي أعود فوا للسنة في لي أعود فوا في التكبير أعود فوا قد سام مدام اندو وبيما دراس وبيما سباكي يدي لا Quand son religion veut dire, depuis de la case, sortir de la case, vous pouvez nous dire, danser aussi même. Il ne dansait pas danser.
j'ai dansé. Quand j'ai mon été, sur religion, j'ai dit, tu n'as pas dansé, puis tu la casse, c'est pas qu'il était ensemble avec Kawal, c'est pas qu'il était. Danser, voilà, pour taper, toi de danser, le ciment, tout le monde nourrit de toi. Il danser, va danser. Il danser. Il danser sur religion fausse, peut-être, il danser devant hommes, devant tout le monde, devant Lasca, devant Créole, devant tout le monde. Il danser, il ne peut pas casser l'état, on dit. Sur religion, j'ai dit ça. Nous, musulmans, Zouri, va dire, ils ont pisté de nous. Fais ta gueule, je vais faux. Fais ta gueule, je vais faux. Il n'y a pas de liquide sauce. Il n'y a pas de liquide sauce. Et j'ai fait d'admirer à haute voix comment tu dis que je suis capable. Alors, au moins, il y avait déjà une madame qui était dans une belle haie, je ne reste pas les liens, je suis fait d'admirer, je suis fait d'oua. Il y a toujours la barakat à la kalyom, au tout avec l'espoir que madame ait barakat sa joula et sa pureté. Ça a dit ça pour que madame de ce belle haie qu'il fait, il fait d'admirer, il fait. Il fait takbir, il fait doa, ça prouve qu'il y a des gens de soupe. Dans l'état d'une janaba, ou bien dans un madame de Spéhaïd, il fait takbir, il fait doa, il dit bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, souvent doa avant dormir, souvent doa quand il est tout, souvent doa qu'il est en nous faire parer avant manger. Si nous réfléchissons, si nous disons madame de Spéhaïd, il parle de faire dikr Allah, ou bien des gens dans l'état d'une janaba, il parle de faire dikr Allah. Donc, il faut dire chose, qui nous vous a dit à l'égal. Donc vous allez aller boire les sangs okay. Bismillah. Et j'ai ça madame de Spéhaïd, 6 jours, 7 jours. Donc vous allez aller manger boire sans dire. Bismillah. Et je dis pas, il pas, il pas sonné. Alors, elle madame de Spéhaïd, elle dit vous d'aller dans le djanaba. Li fiya so dhikrullah. Imam Bukhari rahimahullah, il dit, وقال الحكم إني لا أذبح وأنا جنب. Al-Bayb al-Salaf, Imam Bukhari dit, Al-Bayb al-Tabi'in peut-être. Et le hakam dit, Moufé yadabah, même qui modalité de janaba. Comment ça prouve qu'il n'y a pas fait dhikr modalité de janaba? Parce que Moufé yadabah, vous apprenez, non? Vous apprenez, Allah, bismillah, Allahu Akbar. Alors, quand ça, Tabi'in, le dit, le hakam veut dire, Moufé yadabah, dans l'état de janaba, ça implique qu'il, il fait un dhikr dans l'état de janaba. Mais il reste qui? Il meilleur un djimon. Il finit sorti depuis l'état de janaba. Il est malade, il a encore sorti depuis le super-hay, il a encore sorti depuis cet état-là. Quand l'état de janaba est capable de sortir depuis cet état-là, il est possible de sortir afin qu'à chaque fois qu'il prend nom Allah, il prend nom Allah et qu'il y a tahara, l'oli sali meyir. Sali meyir. Quand on a fait, il dit à Adjimon, quand il est là pour faire roussal, il n'est pas nécessaire de faire roussal à soi-même, il y a là, il dort son roussal qui était beau. Pas déjà, il gagne droit. Mais seulement, il m'aiguille s'il peut aller à soi-même, parce qu'avant de dormir, il pouvait y avoir pas de droit, parce qu'Allah m'a mouté, Allah m'a qu'il y a un adab, 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 qu'il y a un adab. Mais maman, c'est pas le droit, c'est pas le dhikr. M'aiguille nous fait un dhikr et qui nous n'a pas dans l'état de janaba. Mais déjà, il n'y a pas de chose haram ou bien obligé, et que ce soit permis, et c'est qui m'aiguille. Passons le hadith. رابطي بقى المهاجر ابن قنفذ جاء أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضع ثم اعتذر إليه ثم قال فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر المهاجر جاء والبني من طول قفت صلى الله عليه وسلم في بني من فعل سلام Le prophète Pan répond moi salam, je peux uriner, il termine son urine, il ne répond pas salam, il fait oudou. Quand il finit bien oudou, il présente son esquise, il fait moi salam, et il présente son esquise, et il dit pour Pan content pour prendre nous Allah dans l'état que nous patina, oiseau. Il dit le prophète, il peut uriner, dans sa état-là, il ne peut pas répondre salam. Mais, comment fini d'uriner, il est capable de répondre? Il va répondre salam là. Il finit d'uriner, il va répondre salam. Il finit d'uriner, qu'il fait. Il fait oiseau. Quand il finit d'uriner, il va répondre salam. Il dit, il ne faut pas être content, prenons Allah
sans oiseau. Alors, par exemple, ça arrive dans notre pays. Si les gens ne sont pas contents pour prendre nous à la sans oiseau, les poupées, par contre, contents, prenons à la sans. Sans roussal. Et vous n'oubliez pas content, prenons Allah sans roussal. Mais quoi on veut dire? Lisez cette question, meilleur par meilleur. Et puis là, non, rien. Haram là-dedans. Rapportez par Abu Juhayb, il dit Aqbala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nahwi bi'ri jamal, falaqiyahu rajulun fasallama alayhi, falam yurudda alayhi Nabi, hatta aqbala al-jidar, famasah biwajhi wa yadayhi, thumma radda alayhi salam. Abu Juhayb dit à le prophète féminin, depuis direction un puits, une personne a besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa personne fait le prophète salam, sa personne là, il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam salam, le prophète pan répondit, le prophète fait tout l'hiver miraille, il fait tayammum, ensuite il répondit salam, ensuite il répondit salam. On trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour répondre salam. Pourtant, salam, c'est qu'il était, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais dans le nom Allah de salam, les prophètes ils préfèrent faire tayammum, ensuite ils répondent sa salam là. Alors tout ça prouve qu'il y a un dimon meilleur, l'ina roussel, quand il peut prendre Allah, mais il n'est pas obligatoire, par exemple, le hadith qui nous vient citer. L'autre explication, le namaz, pas qu'à pas faire, ou tawaf, pas qu'à faire, dhikr, qu'à pas faire. L'autre explication, c'est lecture Coran. Lecture Coran, et là, et la différence, nous finissons, c'est la même. Aujourd'hui, nous causons lecture Coran. De semaine prochaine, nous causons attrape Coran. Nous causons attrape Coran. Je veux dire, ça, c'est des masses à la différence. Et dans beaucoup de monde qui causent là, les deux, je passe ça pour être seul masses à la. En vérité, c'est des masses à la différence. C'est-à-dire, un lit dans l'état de Janaba, le compte sur la Yassin Pokir. Ou bien, un djimoun qui a dormi dans l'état de Janaba, il est supposé lire Ayatoun, Ayatoun Kursi. Est-ce qu'il lit ou bien pas lire? Est-ce qu'il lit ou bien pas lire? Et déjà, quand nous pouvons réfléchir, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous pour lire Ayatoun Kursi avant de dormir. Et les prophètes, ils permettent nous de dormir dans l'état de Janaba ou bien non? Oui. Permettent nous. Alors, est-ce que les prophètes, ils veulent dire, aller dormir dans l'état de Janaba et pas besoin de lire tout le coursi, ou bien les prophètes veulent dire, correct, tu as envie de dormir dans l'état de Janaba, aller dormir dans l'état de Janaba et de lire tout le coursi? Qui nous choisit? Nous choisir, parce que sinon, il veut dire le couple qui vit très croyé, tous les jours, chaque des jours. Et finalement, comme si tu as dormi sans être courci. Il va paraître logique. Il va paraître logique. Alors, est-ce qu'il nous lit au Coran dans l'état de Janaba ou bien non? Et madame de Soufaye, il lit ou bien non? Ça, c'est un autre mas'ala. C'est un mas'ala. Une autre mas'ala. Vous pouvez là, vous savez, est-ce qu'il y a un autre Coran? Et madame de Soufaye, est-ce qu'il y a un autre Coran? Il y a un Coran, c'est un langage astronome, il y a un Coran. Sinon, nous avons dit, nous sommes déjà. Mus'haf, mus'haf déjà. Copie Coran. Est-ce qu'il y a un autre Mus'haf? Est-ce qu'il y a un autre Coran? L'origine de cause de lire le Coran, la même. Il y a des gens pour là, il n'y a pas gagné le droit. Je vous trouve, par exemple, c'est un hadith. Pas gagné le droit de lire le Coran dans l'état de Dieu. Il y en a pas. Et il n'y a pas l'hypermissible. Il n'y a pas l'hypermissible. Alors, nous avons un petit peu un argument qui finit avancé. Ensuite, nous terminons avec une conclusion. Dans le premier argument qui finit avancé, c'est lecture Coran, en vérité, il y a un dhikr. Lecture Coran, il y a un dhikr. Aïcha, radiyallahu anha, comme il dit, Kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yadkurullaha ala kulli ahyani. Le prophète, tu peux faire dhikr Allah dans tout ce moment, dans toutes circonstances, dans toutes conditions. Dhikr Allah, le prophète, tu peux faire, pas spécifier qui dhikr. Et un plus gros dhikr Allah qu'un djimoun qui n'a pas fait, c'est lecture Coran. Alors, ça, il y a une indication. Il n'est pas le prédire, mais il y a une certaine indication là-dedans qui est permissible de lire le Coran dans l'état de Janaba. Ça, c'est un premier argument. Un deuxième argument, c'est qu'il n'y a aucun hadith authentique qui n'a empêché. En général, l'islam il enseigne ou le Coran ou bien non? L'islam il enseigne.
Etia, pour qu'il nous aide pas, ne prenez pas de lire. Qui c'est là qui vous amène prive là? Moi qui peux empêcher les lire, ou bien les qui vous amène prive, qui les gagne droit à lire? C'est qui peut empêcher là? Parce que nous déjà après, nous, les prophètes financiers nous aident pour lire le Coran. Nous tous, nous sommes en train de lire le Coran. Les prophètes financiers nous permettent de lire le Coran. Alors, un dimanche qui avait un peu tout dans l'état de dire, j'ai un peu droit à lire, qui nous a gêné? Amen tout prive. Alors, quand nous trouvons un prime qui s'en avance, ce n'est pas un prime authentique, finalement, nous ne restons qu'aider. Nous ne restons ça, premier l'enseignement du prophète qui dit, lire le Coran. Alors, quand il y a un hadith authentique qui empêche lire le Coran dans l'état de Janaba, ça prouve qu'une personne dans l'état de Janaba est capable de lire le Coran et aussi un madame de Super Hay. Et hadith que nous venons de citer à l'Ela, à côté de Jabir ibn Abdillah, il dit quand Aïcha radiallahu anha, il dit dans son père le Hayr, il dit dans Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ali, fais tout ce qu'il a pour faire, غير Allah tatouf, voilà tu salli, hatta tatour. Fais tout ce qu'il a fait, tu ne peux pas faire tawaf, tu ne peux pas lire, salat. Tu ne peux pas faire tawaf, tu ne peux pas faire salat. Alors, c'est-à-dire qu'on a une base ou la boutique. Elle m'a dit il y a un hajj, mais j'ai un hajj, il vient de Karallah, il peut lire le Coran, il peut faire des esprits, il peut faire des stéphars, il peut faire des choses pour des alcars, des lectures du Coran. Il peut faire pas n'empêcher rien que cette équité. Tawaf et salat. Tawaf et salat. Alors ça prouve qu'Aïcha, radiallahu anha, quand le prophète a fait ce qu'il a fait, excepté tawaf, excepté salat, Aïcha, il comprend par ça qu'il est capable du Coran. Ça, c'est un certain un argument qui s'est vraiment bien avancé. Et l'indication là-dedans, mais il n'est pas exactement, il n'est pas faux exactement. Qu'il est, parce qu'un dimon, il a dit que les prophètes, comme il a fait, tout ce qui a fait, excepté salat, excepté tawaf, ici, les prophètes per cause en relation avec un rite qui est particulier à Hajj. Tandis que la lecture du Coran n'est pas un rite particulier dans Hajj. Par contre, ça, le prophète va trouver important pour Djali, qu'on n'a pas fait tourner important pour cause de lecture salat, parce que lecture Coran, parce que lecture Coran, il n'a rien à faire directement avec Hajj. Alors, il y a débat. Et quand on dit d'aller là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les films enseignent, ils permettent de vivre dans l'état de Janaba et ils enseignent pour lire le Coran, Ayatul Kursi, l'autre. Nous trouvons des choix, soit qu'il nous dit à un jeune couple de le faire payer, mais pendant un des trois mois, tu ne peux pas lire Ayatul Kursi, tu ne peux pas aller au lit. Ou bien nous disons non, tu lis ton Ayatul Kursi. Alors nous trouvons l'opinion qui parle plus fort, c'est qui? Un dimon, mais ça c'est un cas qui est arrivé dans tous les jours dans Madina, puis arrive, un cas pareil. Et c'est un événement que Ben Olama qui attire l'attention au là. Et en vérité, il est important ça, cette chose-là, parce qu'en vérité, un monsieur, un madame qui vit bien, ça, il n'est pas juste une certaine jouissance, un certain plaisir là-dedans. Mais il y a une certaine levée, nos relations envers nos enfants, une certaine levée, la santé. Et quand un couple vit bien, avec une certaine puissance, je sens que je vais dire proche un à l'autre, et ça, je n'ai l'autre approche avec nos enfants. Quand Michel est avec, madame est avec, ou bien Michel est à une certaine distance avec madame est à une certaine distance avec Michel, et dire, les enfants négligés, les enfants, ils ont ressenti cette distance-là, et comme ça même, il y a ben, les autres, ben, mauvais, ben, l'effet qui est là, quand Michel et madame, ils ne veulent pas vivre, ils ne veulent pas jouir, ils veulent la vie, mariage. Maintenant, là, je te dis, pour montrer, dans quelle façon, ben, ça va, tu vas dire, tu peux vivre dans bien. Pour montrer, dans quelle façon, ben, ça va, tu vas dire, tu peux vivre dans bien, dans jouissance. C'est-à-dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sotifie une mot, quand le prophète sotifie une mot, le prophète panne des sandes d'Aqaba, qui vient?
Qui vient? Parce qu'il la veille, il approche ce matin. Correct? Othman, qui s'en là ça? J'ai Suzanne, ou bien, yes, le prophète, sa madame là, son bichet, lui aussi, il parle, il parle ça. Peut-être qu'il tient une madame, bien, il a fait comme ça, mais pas là, on fait rappel. Le prophète dit, celui qui parle à cause de madame, hier soir, il descend. Un seul, il descend, c'est Abu, Abu Talha. Abu Talha. Alors, on va dire, c'est une indication là-dedans qui va de Sahaba, radiallahu anhu, ce qui va dire, moi, qui dit, je dedans, je peux vivre avec un certain plaisir dans eux, dans la vie. Alors, c'est à cause ça qui dans sa jamaat, qui tient là, c'est juste Abu Talha, lui tout seul, qui, comme a dit, la veille, les barapos de madame, à cause ça, il finit des salles pour mettre Tifi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dans son kabar. Et on va être mal frère, en passant, ils vont nous dire. Moussalman, il y en bas là-haut. Moussalman, il y en bas là-haut. Un jimon, un madame, il finit mot. Madame, il dit, bon, qui vous a fait ça, les mots là? Vous allez enterrer, après, ça va vous décomposer, vous sentir pi. Une jeune fille, ça ne l'a pas nadra, ni là-haut, ni en bas, ni de son côté droit, ni de son côté gauche. Tu peux manger comme ça, au contraire, sur un cerveau là. Jeune fille. Ensuite, ça va là qui sortit vivre vers le cerveau là, ou la rive. Quand bah, il a son maman et mon daddy, mon. D'accord, ça qui veut faire? Qui veut faire? Il peut couvrir un drap dans la chambre qui est un daddy. Les prophètes sortifient un homme étranger, mais il n'y a pas mal. Les prophètes sortifient un homme étranger, mais il n'y a pas mal. Mais tiens, la loi, l'appliquer au quête, un homme étranger, un madame étranger, c'est aussi que c'est quand? C'est vivant, un madame, mon. Qui finit mot, mais qui pour guetter en lit, si pas. Il finit mot, ça. Il résiste pour enterrer. Il résiste pour enterrer. Même Moussalman, ce jeune fille, il ne pas trouve qu'il visait un drap en bas, il a au lit. Mais seulement, ce bonne femme qui se date, ce maman qui finit mot, bien bonne femme, mais cachez même un drap pour qu'il personne ne pas trouver, mais mettre dans le travail. Mais mettre dans le travail, mais ne pas me laisser madame là. Alors, les chagrinants, et pourtant nous comprenons, nous dire comment viser. Et ici, nous trouvons qu'il était le bon, pas de mettre l'enfant là, dans le sens qu'un homme étranger qui descend, qui vire sur l'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans son kabar. Mais si les hommes-là, qui ont une carte, qui descend, qui descend, mais qui n'a pas trouvé, qui peut descendre dans, peut descendre dans son kabar. Alors, ça. Bah, les Sahaba, radiyallahu anhum, définitivement, je vais vivre dans Medina, c'est ça quelque chose qui assort un couple, je viens d'arriver à une relation sexuelle, je vais dormir, les bons viennent enceintes, tout pour s'y coulir, pas finir dans aucun cas qui vient pour dire ce qui, les bons qui n'ont pas, dans sa circonstance-là, pas lire, et c'est quelque chose qui peut arriver dans Medina tous les jours. Les prophètes ne disent pas qu'il y a un homme, alors ça indique qu'une personne, même dans l'état de Djenaba, il y a un droit de dire son Coran, il y a un doubi. Imam Bukhari, rahimahullah, dit « Wa lam yara Ibn Abbas bil qira'ati lil junubi bamsan » Imam Bukhari dit « Ibn Abbas, radiyallahu anhu, pas qu'il n'y a aucun problème, c'est un djimoun dans l'état de Djenaba, il lit le Coran. » Ibn Abbas, il n'y a pas de aucun problème si un djimoun dans l'état de Djanaba il lit le Coran. Et comme ça même, nous avons Hamad ibn Abi Sulaiman qui dit Sa'adu Sa'id ibn Jubair, il y a un djimoun qui dit il y a un djimoun qui dit le Coran. Et Hamad, il dit à mon demande Sa'id ibn Jubair, il y a un tabi'in. Est-ce qu'un djimoun qui dit le Coran, un djimoun dans l'état de Djanaba, est-ce qu'il y a un droit de Coran? Alors, sa tabi, il a Sa'id ibn Jubayr, il a dit, non, il a dit, est-ce qu'il y a celui qui n'a pas déjà un Coran? Est-ce qu'il y a celui qui n'a pas déjà un Coran? Alors, quand il peut lire le Coran, il n'y a pas aucun problème. Et comme ça même, ben, ulama, wa ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, wa ma'loum, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna nisa'a, kunna yahidna ala ahdi rasulillah,
صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن. ابن تيمية رحمه الله جاء يكون كده dari pokok profit ban madam sebagai supaya dahai pepena namanya kin min bujal ko pecah pes ban madam dan supaya dahai pula pupu ke sebaya puki zepa lia Quran. Donc ça c'est l'opinion qui dit gain trois lire. So l'opinion veja so argument c'est qui était pelo kan hadith authentique kina pesé kan pelo kan hadith qui empêché le gars par l'éducation des puis par les autres hadith qui lui permissent Ibn Abbas il a son opinion là, les tabi'in ont son opinion là, ابن تيمية أرسل وسأل بني ولا كون سنة حائل alors les preuves qui gagnent droit tandis que man qui n'a pas gagné droit sur base de certains hadiths qui n'est pas authentique. Le premier hadith de Tirmidhi لا تقرأ الحائل ولا الجنوب شيئا من القرآن أن مدام de ce même حائل أن جنوب pas gagné droit il y a nangé dans le Coran أن جنوب أن جمون de l'état de جنابة أن مدام de ce même حائل pas gagné droit il y a nangé dans le Coran ce hadith de Tirmidhi mais il n'est pas iba authentique iba Tirmidhi l'imam l'ijia muntan Muhammad ibn Ismail sanah Muhammad ibn Ismail imam Bukhari l'ijia concernant sa narrative là qui sur le hadith qui l'a rapporté autre que Ahl al-Hijaz c'est le hadith qui munka l'ijia l'i désavoué il n'est pas faux imam Ahmad l'ijia l'a bâti ça c'est quelque chose qui fausse mais c'est le hadith qui n'a pas authentique. Et comme ça, il y a un deuxième hadith d'Abu Daoud, quand soi-disant Ali Bédia, وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَلْ الْقُرْآنِ شَيْءٍ لَيْسَ الْجَنَابَ Pendant un an, qui peut empêcher le prophète du Coran, excepté s'il est dans l'état de Janaba. Pendant un an, qui peut empêcher le prophète du Coran, excepté s'il est dans l'état de Janaba. Ça a l'état aussi, il fait. Même si c'est authentique, il va te prouver une condition. Parce que quand on trouvait le bruit pour un salam, il vient ouais, ou alors, meilleur un djimoun, il parle. Il y a un Coran qui est dans l'état de Janaba, mais pour dire qu'il est haram, ça c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Et là, un des hadiths encore de la façon là, mais c'est média l'opinion qui parle plus fort. Un djimoun dans l'état de Janaba, qui parle du Coran bakir, un madame de Sperhei, il est capable du Coran bakir. Est-ce qu'il y a un droit dans le Coran, ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons expliquer. Al-Fusajim, Tamina, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.